Fais attention. Il y en a peut-être d'autres. L'ascenseur est au dernier étage. Trouvons un autre moyen de monter. Alors voilà ce qui bloquait. Thank you.
crois que Kidman va bien ? Ils sont servis d'elle comme à pas. C'est comme si quelqu'un jouait avec nous. Accroche-toi. On n'est plus très loin. Il n'y en a que deux. Ce sera facile. Non, c'est pas... Joseph ! Ça va bien ? Ça va, je vais bien. T'aurais-tu les laisser faire ? Hein ? Qu'est-ce que... Ce n'est qu'une question de temps. Ce sera mieux comme ça. T'es pas bien ? Couvre-moi. Allez. Joseph, est-ce que... ça va ? Ouais, ça va.
Ça ressemble à une place de marché. Mais comme tout le reste, c'est complètement désert. On devrait continuer. Mon père était un homme sévère, fier, et d'une certaine intelligence. Mais il était aussi pieux, très croyant. Il a toujours soutenu l'Église, sans tenir compte de ce qu'on pouvait lire dans les journaux. Toutes les allégations étaient tout bonnement impossibles, à ses yeux. Les misérables, les nuisibles, les parias. L'Église les prenait tous en son sein. On leur promettait le salut et la vie éternelle. Mais tout ce qu'on leur offrait, je pouvais le leur prendre. Que ça devient de plus en plus dur de bouger.
est-ce qu'on est, d'après toi? Plutôt quand? J'ai l'impression qu'on a atterri en plein Moyen-Âge. Ouais, mais il y a de l'électricité, des ascenseurs. Ça n'a aucun sens. On dirait des bribes de souvenirs. Mieux de se planquer là-dedans. C'était pareil pour toi, Seb. Après l'accident. Sauf que moi, j'ai pas essayé de me flinguer. Non, évidemment. Tu t'es juste noyé dans l'alcool. Personne n'est parfait. Ça n'a jamais perturbé mon boulot. Mais bon, t'as lu le rapport interne? Tu sais bien que mon témoignage n'avait rien à voir avec ton boulot, Sébastien. Hein? Alors pourquoi? On verra ça une autre fois. J'ai besoin de mon coéquipier. Je compte sur toi. Nouveau ? Peut-être. Il y a des... symboles. Ce serait une secte. Ça pourrait servir. Je crois que ça va. On devrait se mettre en route. Après... Okay, je... Huh.
Attends un peu. Je verrai peut-être quelque chose si je monte sur ça. Tu vas bien ? Ouais. Hé, c'est Kidman. Avec qui elle est ? Regarde un peu ça. Il a l'air d'être en état de marche. Vas-y, pendant que je te couvre. Continue, je te couvre. Seul. C'est le moment ou jamais. Merde, une impasse.
vais chercher un autre chemin. On se retrouve près de la statue de cheval. Par là. Une seconde. Il me semble avoir vu quelque chose à propos d'un cheval. Je regarde mes notes. Oh, ok, je l'ai. Va falloir descendre. On n'a pas le choix. Est-ce que ça va ? T'en fais pas pour moi, va.
penses-tu de cette inscription ? Je n'y comprends strictement rien. Je devrais ? Attends deux secondes, j'ai noté quelque chose tout à l'heure. Apparemment, les sacrifices doivent être abaissés sur les autels appropriés pour ouvrir la voie menant à lui. J'ai entendu quelque chose. On dirait que ça a marché.
Joseph! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mes lunettes là-bas. Merde. Avant qu'il te trouve. Je suis désolé. C'est pas seulement pour mes problèmes de vue. Ça m'aide à me sentir normal. T'en fais pas. Pour l'instant, faut qu'on trouve Kidman. Tout ça pour une paire de lunettes, franchement.